Et bonsoir YouTube. Bonsoir YouTube, dans cette ambiance festive. Ambiance festive. Des emotes qui pop de partout. Le retour d'une vieweuse qu'on adore. Petite mousse qui est parmi nous. Emote toilette. Allez, des culottes. Voilà, c'est l'ambiance sur Twitch. C'est l'ambiance sur Twitch. Allez, je vous laisse reparler les copains. Hop, voilà. Alors, bonjour YouTube, bonsoir YouTube. Tu as bien évidemment les chapitres qui sont affichés dans la barre juste en dessous. Si tu souhaites passer cette introduction, les petites explications, les petits bonjours. N'hésitez pas les amis à mettre bonsoir et bonjour YouTube dans le chat histoire d'accueillir les gens qui sont en replay sur YouTube. Et donc voilà, on est parti. Wesh YouTube, dans 2 minutes, on écoute quoi? Non. Oh Sacha, coucou. Coucou Sacha. Et coucou YouTube, bonsoir YouTube, voilà, des petits dragons. Est-ce que vous les abonnés, vous avez accès normalement à ce petit dragon là? Vous avez je crois même ce petit dragon là. Voilà, vous avez cela peut-être. Voilà, les petits dragons de la chaîne Twitch. Si vous voulez nous rejoindre sur Twitch et profiter de la bonne ambiance, de la bonne humeur, vous n'avez pas la musique que nous écoutons là, parce qu'elle n'est pas disponible pour le replay. De ce fait, vous pouvez nous rejoindre du coup tous les dimanches sur Twitch à partir de 20h30, 21h pour la méditation guidée, si vous voulez les faire en live avec nous. Je suis dans le train. Ah, ok. Je vais essayer d'écouter, ça marche. Bah dans tous les cas, sache que le replay sera disponible sur YouTube, Sacha, si jamais il se passe le moindre problème de connexion dans le train. Voilà, voilà. Donc il y a du monde là ce soir, c'est cool, ça fait plaisir. Merci à tous, dans un premier temps, d'être là. Et on va voir un peu ce qui va se passer pendant cette méditation là. Comme d'hab, hein, méditation intemporelle, méditation bonsoir empathie, méditation qui peut se faire n'importe quand, n'importe où, dans n'importe quelle situation, circonstance, du moment que vous n'êtes pas au volant d'un poids lourd, d'une voiture, d'un avion, je ne sais pas. Voilà, mettez-vous quand même dans un endroit sécurisé. Et puis voilà, alors qu'est-ce qui se dit là? J'écoutais... Ah ok, excellent, le hasard. Le hasard. Bienvenue à Empathie qui vient d'arriver. Voilà, voilà, on s'accueille entre nous, ça fait plaisir. Un chat bien éduqué, un chat bienveillant. Donc n'hésite pas, toi qui nous regardes en replay sur YouTube, si tu souhaites nous rejoindre sur Twitch, tu as le lien juste en dessous. Il n'y a pas que le dimanche, hein, il y a d'autres jours aussi où je suis en live, où on peut discuter, on fait du coworking aussi, donc voilà. Sur ces retrouvailles, dis donc, ça m'a tout ému. Les pilotes de soucoupe volante, vous pouvez faire la méditation et mettre le pilote automatique, exactement. Exactement, exactement. J'écoute un peu ce qui se passe. Je peux pas marquer en voix fesse, quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? Ça fait plaisir de t'en voir ici, petite mousse, en tout cas. Donc, c'est méditation. On va faire l'introduction, on va changer la musique, ça va nous changer d'état, parce que là je suis tout frétillant avec la musique. Donc déjà, on va mettre... Merci pour le follow, un grand soutien pour les streamers. Mais t'étais pas déjà follow toi? Ah, il y a un petit astérisque. J'étais abonné, c'est bizarre, bonsoir, coucou. Mais moi ça met un petit astérisque après ton pseudo dans la requête, tu vois, dans le Wizbot. Bizarre. Bonsoir à toutes et tous, pardon. Y a pas de souci, t'excuses pas, tout va bien.
Tout va bien, tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme musique ? Toujours à l'instinct, à l'inspiration, qu'est-ce qui est bon pour nous ? Ça, ok. Alors, les petits réglages, comme d'habitude. Voilà, vous allez me dire si la musique... Ouh ! Elle est bien trop forte. Alors, attends. Déjà, on va stopper ça. Hop, hop, hop. Ah, mais elle est bien trop forte dans mon casque. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Attends. J'ai pas le retour, là ? Pourquoi ça me fait ça ? Attendez un instant, faut que je règle un paramètre. Mince. Moi, j'ai le retour extrêmement fort dans mon casque. Du coup, c'est assez pénible. Ah, c'est quoi déjà ? Oui, si, c'était ça. Tac, tac. Tac, tac, tac. Ah, voilà, voilà, voilà. Hop là. Ah oui, c'est mieux. Ah. Ok, c'était très fort. C'est mieux. Méditation sur les sardines, ouais, c'est ça. Musique de didgeridoo. C'est ça. Après, on voit encore quelqu'un qui débarque dans le chat qui veut dire que notre musique, c'est de la daube. Ok, je pense que le son est plutôt correct pour vous. Ah voilà, là c'est mieux. Ah oui, l'équaliseur était du mauvais côté. Ok, on va passer donc sur la scène de méditation. Les alertes seront coupées, le chat disparaîtra de l'écran, mais moi je vous vois toujours ici sur Twitch. Donc je vous invite pour cette méditation dans le chat. On switch. Prêt ? 3, 2, 1, go. Voilà, comme ça on est plus perturbé par les petits sons des gens qui veulent nous perturber le cours. Je plaisante. Ok. Donc installez-vous dans un endroit confortable, un endroit où vous allez vous sentir bien, où vous serez à l'aise avec le système sonore qui vous convient le mieux. Mettez de bonnes oreillettes. Un bon casque, de bonnes enceintes. Non, ce sera pas la fin du live après la méditation, le lion, je ne pense pas. On verra comment on se sent après ça, mais ça peut... on verra. On verra. Donc voilà. J'ai le ventilo, moi. Ouais, moi aussi, hein. Peut-être que vous l'entendez dans le micro, pas beaucoup, mais moi aussi j'ai le ventilo, j'ai un petit glaçon. Je me suis mis bien, je me suis mis à l'aise. Ok, ça va tenir assez longtemps. Dans tous les cas, mettez-vous dans un endroit où vous serez confortable. Installez-vous confortablement et on est parti. On respire. On prend une position confortable. C'est sera agréable pour toute la durée de cette méditation, que ce soit assis, allongé, en tailleur, debout, pourquoi pas. On se dépose sur cet endroit où on se sent bien et on fait au mieux avec le système sonore qu'on a et on se laisse porter par ma voix et par la musique. On respire profondément et en douceur, on laisse notre corps se détendre. Énergie se déposer à l'intérieur de nous, venir couler depuis notre tête, venir couler le long de notre colonne vertébrale, jusque dans notre bassin, jusque dans nos fesses, jusque sur notre assise,
énergie se déposer tranquillement. Il n'y a rien à faire d'autre que de se détendre. Je me détends. Je me détends. Tranquille. Et j'entends tout ce qui se passe autour de moi. J'en prends simplement note. J'entends le son de la voix, de la musique. J'entends peut-être la rue, les voitures. J'entends les bruits ambiants de la pièce dans laquelle je me trouve. Mais cela ne me distrait pas. Je suis présent, présente, ici et maintenant. Ressentir mon corps, à ressentir mon énergie qui circule en moi. Et je suis simplement en observation de tout ce qui se passe en moi, sur moi. Et autour de moi. Et plus je respire, plus mon corps se détend intégralement. À chaque expiration, je me détends de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Je détends les muscles de mon visage, mes pommettes, mon front, mes joues, ma mâchoire, mes oreilles, tout se détend tranquillement. Je détends mes épaules, je détends mes bras, ma nuque. Je détends mes jambes, mes pieds, tout mon corps n'est que détente. Et s'il y a des zones qui ont du mal à se détendre, je respire encore. En portant mon attention sur ces zones. Et en mettant l'intention que cette zone se détende, se décrispe, ne serait-ce qu'un petit peu. Depuis cet espace-là de détente, de décontraction, j'entre en connexion profonde avec mon âme, avec mon énergie, avec d'autres espaces de moi que je n'utilise pas de manière consciente en temps normal. Depuis cet espace-là, je suis dans mon plein. Je suis dans ma totalité. Je suis rempli.
de tout. Depuis cet espace-là, je peux avoir la sensation comme si mon corps disparaissait, comme si la frontière de ma peau s'amoindrissait, comme si l'énergie qui était contenue dans mon véhicule, dans mon corps, d'un coup pouvait se dilater, pouvait s'expanser, se déplacer. Connecté à d'autres espaces en toute sécurité, en toute connaissance. Je sais que je suis en sécurité, car je sais, je sens. Je suis prêt, prête à faire face à n'importe quoi, car je sais, je sens que je suis accompagné, aidé, guidé, soutenu par d'autres énergies qui sont autour de moi. Même si je n'en ai pas connaissance, même si je n'en ai même pas conscience, de prime abord, je sais depuis cet espace et je sens qu'il y a autre chose qui existe autour de moi, quelque chose qui soutient, quelque chose qui aide. Et je n'ai pas besoin de définir ce que c'est. De comprendre. Simplement, je le sens et je le sais. Donc, je me sens en sécurité. Je suis en sécurité. Ici et maintenant, soutenu, aidé, accompagné par ma propre énergie et par ces autres énergies qui sont autour de moi, maintenant. Et en permanence. Et je sens donc mon énergie qui s'étend, qui se dilate, qui dépasse mon corps physique. Je suis dans un autre espace que celui de d'habitude. Je suis dans un espace qu'on pourrait appeler 5D, qu'on pourrait appeler énergie. Qu'on pourrait appeler conscience. Qu'on pourrait appeler le tout. Je suis dans cet espace-là, vibratoire, intense, immense. Et je sens que c'est accessible à tous. Il suffit simplement d'en émettre l'intention. Cet espace, je sens que tout est possible, que tout
tout est accessible. Toutes les réponses à mes questions, à mes interrogations, à mes tracas. Je sens que depuis cet espace, je peux recevoir l'information qui me permettra d'obtenir de la lucidité, qui me permettra d'obtenir de la clarté. Alors je peux me déplacer et explorer ce nouvel univers qui s'ouvre à moi. Je peux également, si je le décide, simplement rester là où je suis, en paix, et profiter de cette énergie apaisante, ressourçante. Cet espace-là dans lequel on se trouve, si on y regarde d'un autre angle, on peut voir qu'il englobe tout. Cet espace n'est pas séparé du monde dans lequel on vit. Cet espace n'est pas fermé lorsque nous sommes dans notre quotidien. Cet espace dans lequel on se trouve est accessible tout le temps, de tout le monde, en permanence, et le sera toujours. Que vous ayez les yeux ouverts, fermés, que vous soyez en bonne santé, malade, que vous soyez homme, femme, chien, chat, singe, peu importe, ce lieu est accessible de tous, tout le temps, et le sera toujours. Cet espace, vous pouvez le connecter
à chaque instant, en conscience, sans état modifié de conscience. Simplement en y pensant, en portant votre intention et votre attention à vous connecter à cet espace-là, cet espace ressource d'information, cet espace d'énergie vous sera accessible en permanence. Soyez simplement attentif, réceptif, ouvert. Entraînez-vous le plus possible à muscler cette connexion comme vous le faites là, maintenant. Entraînez-vous le plus possible à maintenir cette ouverture en vous et autour de vous. Et cette connexion vous sera de plus en plus accessible, rapidement, facilement, sans avoir besoin d'artifice. Dès que vous y pensez, connectez-vous, demandez, testez, amusez-vous, recherchez. Et vous verrez les choses changer dans votre quotidien. Vous verrez des réponses arriver à vos questions. Vous verrez des problèmes se résoudre simplement. Vous verrez des situations que vous n'avez jamais vues avant. Faites confiance, faites-vous confiance, faites-nous confiance. Tout est là, tout est prêt pour vous, pour l'humanité, pour la vie. On n'attend plus que vous. Alors réjouissez-vous de ce nouvel espace de jeu qui vous a été ouvert, rendu accessible par des énergies qui vous aiment, qui vous soutiennent, qui vous accompagnent, qui vous voient grandir, évoluer de jour en jour, d'année en année. Ce moment a été longtemps attendu et ce moment est désormais possible. Ce moment de connexion entre la 3D et la 5D. Ce moment de pleine reliance. Ce moment où les humains retrouvent leur plein pouvoir, leur pleine potentialité, retrouvent leur intégrité, retrouvent leur immensité, leur puissance infinie, leur pureté. Ce chemin est accessible à tous. Il n'y a qu'à le choisir. Certains feront le choix d'ouvrir grand la porte et de recevoir. Certains ne sauront même pas qu'une porte est possible. Mais c'est leur chemin. Il n'y a pas à les juger, c'est ainsi. Mais vous qui êtes là, qui écoutez ces paroles, vous êtes prêts ? Vous avez envie et vous y êtes. Et votre job, le jeu, va être de muscler, de renforcer cette connexion, cette ouverture pleine et entière, le plus possible, le plus souvent possible, en conscience, partout, tout le temps. Cet espace ne vous quitte jamais. Il n'appartient qu'à vous de l'ouvrir ou de le fermer. Mais cet espace est toujours là, autour de vous. Et vous êtes toujours dans cet espace. Même si vous pensez en être séparé, il n'en est rien. C'est simplement que vous avez fermé la porte. Alors réouvrez-la. Encore et encore et encore. Jusqu'à ce qu'elle reste ouverte.
et que votre accueil soit plein et entier. Merci. Cet espace, vous voyez votre corps physique installé sur son support sur lequel vous êtes pour faire cette méditation. Vous choisissez d'y retourner et ainsi de réintégrer votre corps. De sentir de nouveau la densité de votre poids, de votre masse, de la peau qui recouvre votre corps, de vos muscles. Et on prend le temps d'observer également que nous sommes toujours dans cet espace, qu'on le garde ouvert, qu'on maintient cette connexion ouverte. Elle ne nous coûte rien. Au contraire, elle nous apporte, elle nous nourrit. Donc consciemment, je choisis de garder cet espace ouvert. Et vous pouvez même répéter cette phrase. Moi et votre prénom. Moi, Steven, je choisis de garder cette connexion ouverte le plus longtemps possible. Moi, Steven, je m'engage. Moi et votre prénom, je m'engage à renforcer cette connexion le plus souvent possible. Dès que j'y penserai, je m'engage à me connecter à cet espace, à ouvrir cet espace et à l'intégrer dans le monde dans lequel je vis. Ici et maintenant. Et on revient ici maintenant. Et quand vous êtes prêt, vous pourrez réouvrir les yeux. Et boire de l'eau, si vous avez de l'eau à proximité. N'hésitez pas à partager dans le chat comment vous êtes senti, comment ça s'est passé pour vous, qu'est-ce que vous avez vécu. Bonsoir Marie Jojo, bonsoir le Book, salut Mika. Légère engourdie, ouais. J'ai ronflé.
C'est pour ça que vous avez les méditations en replay, toujours sur la chaîne YouTube, bien évidemment. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous êtes sur YouTube en replay, à mettre dans les commentaires comment vous êtes senti, à partager cette méditation autour de vous si vous pensez qu'elle pourrait intéresser vos proches, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je me suis endormi. C'est ok, t'as le droit. Vous avez le droit de vous endormir pendant les méditations. C'est totalement autorisé. C'est totalement légal de faire ça. Il ne vous en sera tenu aucune rigueur. Les messages passent quand même. Hein. Quand on s'endort souvent, c'est que, qu'on s'assoupit, c'est que le mental d'un coup il déconnecte, il lâche, pour laisser place à l'inconscient. C'est parfait. Après, si toi, consciemment et mentalement, t'as envie de réentendre ce qui s'est passé, replay. Merci, c'était très très agréable ce voyage, on est d'accord. Et ressentez comme vous êtes encore dedans, ok? Me sens encoucouné néanmoins. Ben oui, totalement. Ressentez comme vous êtes encore dans cet espace. Le message qui vous a été transmis, un peu avant la fin, c'est pas moi qui parlais, hein. C'est ce qu'on appelle la canalisation, hein. Je sais pas, d'autres énergies qui parlaient au travers moi, j'ai juste partagé le message qui était là, c'est ce qui l'invitait à ressentir, même maintenant, là, dans le monde conscient, dans le monde matière, a priori 3D, tridimensionnel, matériel dans lequel on vit. De ressentir qu'on est quand même dans ce monde-là d'énergie, de maintenir cette connexion-là. Je me suis senti dans l'univers avec des tentacules. Ouais, j'avais un peu cette image-là, je ne l'ai pas trop partagée, mais, parce que c'était mon image, mais de notre énergie qui, justement, a ses tentacules, ses bras, ses connexions, en fait, qui peuvent aller partout, et comme des brins de lumière qui peuvent aller chercher tout ce qu'ils veulent, quoi. Perso, j'ai pas réussi à décoller, j'ai juste eu un écran noir, pas super agréable. Ah, c'est des choses qui arrivent aussi, hein. Peut-être que il y avait d'autres choses qui te perturbaient en tâche de fond et qui ont fait que ça bloquait. Peut-être essaye une autre fois. Je sais pas si t'es très fatigué ou pas, ou s'il y a des choses qui te tracassent, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui a fait que ça voulait pas. Je sais pas. J'étais seul dans l'univers. Seul comment? et voilà. Un beau voyage. Bah ouais, ça arrive. Hein. On peut pas toujours. Ça. C'est pas que ça marche pas toujours. C'est juste que des fois, on n'est pas dans les bonnes conditions pour pouvoir profiter pleinement de l'expérience. Je jouais avec les planètes. Je les touchais du bout du doigt. Trop bien. Excellent, c'est génial. Mais il faut s'amuser comme ça. C'est ça le qui est cool. Tu vois, c'est que c'est un espace vraiment ouvert. Où tu peux t'amuser à tout faire, quoi. Ah, comme si mes tentacules ne captaient rien. D'accord. Intéressant. Bah, retourne-y et explore. Regarde. Pose la question. S'il y a des trucs comme ça où vous sentez, je sais pas, une pression sur votre corps, vous sentez une densité autour de vous, quoi que ce soit, ou des tentacules comme ça qui captent rien. Posez la question. Vous êtes dans cet espace-là, justement, d'information, de tout, de plein. Posez la question. Pourquoi je ressens rien? Pourquoi ces tentacules-là ne captent rien? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque? Et demandez. C'est une boîte de Pandore. Et vous aurez les réponses. Mais soyez attentifs à toutes les formes que ça peut prendre. Voilà. Bien, bah ça conclut cette méditation guidée. On va dire au revoir à YouTube. On va dire au revoir à YouTube. Au revoir YouTube. Dites dans le chat, au revoir YouTube. Cette belle et agréable expérience peut se faire tout le temps. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et le jeu... tu peux refaire la méditation guidée là si tu veux pour être guidé, mais tu peux le refaire chez toi en autonomie. C'est pas plus compliqué que ce qu'on a fait là. Tu te poses et tu vas te connecter à ça.
Et tu peux le faire en marchant dans la rue, tu peux le faire en étant dans le bus, dans le train, peu importe. Tu peux te connecter à tout ça, quoi. Plus loin, je voyais de la lumière blanche et des personnages qui m'attendaient. Ah bah voilà, bah va vers eux peut-être. Va vers eux peut-être. Donc au revoir YouTube, merci d'avoir été jusqu'ici, partagez dans les commentaires ce que vous avez ressenti et puis bah, rejoignez-nous sur YouTube tous les dimanches, sur Twitch, pardon, tous les dimanches, vous avez le lien en description. Lâche ton petit pouce, lâche ton petit abonnement, c'est gratuit et ça soutient, ça fait progresser la chaîne, on avance tranquillement vers les 800 abonnés, bientôt les 1000. Ce serait une formidable expérience d'arriver aux 1000 abonnés, ce serait génial. Donc voilà, merci d'être là et à bientôt. Ciao ciao.